Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen et ou civil, que politique, militaire, intellectuel, religieux et spirituel, je vous informe que la liberté, la dignité et l'honneur ne s'achètent pas. Ça s'arrache. La liberté, la dignité et l'honneur sont des droits sacrés de l'humain et ou d'un peuple. Par ailleurs, tous ceux et celles que le despote Denis Sassou Nguesso en a abusé de leur liberté et dignité et de l'honneur sont plus bas que la mort. Ailleurs, et notamment en Europe et dans le monde arabe et asiatique, lorsqu'ils regardent les Sassou et les Nguesso, se disent, oh, voilà des gens libres, dignes et à honorer. Et pourquoi? Parce qu'ils ont damé les pions à beaucoup de Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil, politique, militaire, intellectuel, religieux et spirituel. Parce qu'ailleurs, et notamment dans le monde arabe, en Occident, en Asie, on ne peut pas comprendre que tous ces individus-là, ces hommes et femmes, peuvent laisser le despote en abuser de leur liberté, dignité et honneur, de leur vie, depuis les marins Ngouabi jusqu'à nos jours. C'est bas. On ne nous respecte pas. C'est en partie lié à ces trois vertus-là, la liberté, la dignité et l'honneur. On doit se battre pour ça. Denis Sassou Nguesso n'est pas éternel. Il va mourir, il va partir, de gré ou de force. C'est les lois de la vie. Excusez-moi. C'est des lois de la vie. Il va partir comme tout être mortel. Qu'il paie sa la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, ou de ses crimes, la justice, quelle qu'elle soit, ou non. Mais il a déjà fait son devoir de vous humilier, les familles des dignitaires, courtisans, valets, serviteurs, témoins génois de ces crimes et autres. Et demain, les enfants et petits-enfants des Sassou et des Nguesso vont se moquer de vous, des enfants de ces gens-là, depuis les marins Ngouabi jusqu'au Kolela, à Pascal Issouba. Tous ceux et celles où Sassou avait tué leurs parents et pris leurs enfants et les a utilisés. Les enfants de Sassou Nguesso là, ils ont ce pouvoir-là demain de se moquer de tous ceux qui sont dans son pouvoir-là pour piétiner nous, peuple congolais, et fracasser notre pays avec les moyens de l'État. Il faut se le dire. Ce sont des repères historiques. Demain, les enfants de Pascal Issouba là, qu'ils utilisent devant les enfants de Sassou Nguesso là, ils seront plus bas. Les marins Ngouabi plus bas, les Tshisekedi Tshikaya. Ben oui, les Kolela, tout ce monde-là qui a mis dans son Assemblée nationale, dans les différents pouvoirs et autres, ou d'autres qui l'a donné du pécule, de l'argent et autres, tu te tais dans le déshonneur et l'indignité. Et ça produit souvent
et demain. Des individus bizarres, parce qu'ils sont sales, les enfants de ceux et celles que Sassou en a abusé. Et demain, ils chercheront à régler leurs comptes pour laver. La loi du karma. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes enfants, ni vos enfants, parce qu'on n'était pas là-bas. Il en a abusé d'eux. Il les a emprisonnés. Il les a assassinés. Il a fait ce qu'il voulait avec les moyens d'État. Ils vont régler les comptes entre eux. Passer la loi du karma, ils seront bas. Regardez bien. Depuis le clan, depuis les Mboshi, tant il a détruit l'image, l'honneur de la tribu aussi. Jusqu'à dans la cuvette, dans le nord, dans le sud et autres. C'est tous ces gens-là, les Denis Christ Sassou Nguesso et ses enfants et petits-enfants, ils seront demain devant les gens-là. Comment, quand ton papa était là, il vous avait emmerdé, non? Il vous a assassiné, autre. C'est comme ça. Et ça produit des choses bizarres. Parce que ces gens-là ont besoin de se régénérer. Vous savez qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ici en France, il y avait 120 000 personnes épuisées, 9 000 assassinées. Et n'oubliez pas beaucoup de déclassements. Mais pourquoi on avait fait ça? C'était pour régénérer une nouvelle nation. Il y a eu humiliation. Ceux qui ont collaboré, autres. Mais demain, ces gens-là cherchèrent tout le temps à régénérer peut-être, je sais pas, quelque chose qui manque. C'est comme un enfant sans parents, sans papa. Je ne connais pas son papa ni sa maman. Il va être tout le temps dans sa vie à chercher où se trouve, voilà, ses origines. Donc il y a quelque chose qui manque, qui va manquer tout le temps. Passer sa soie à souiller tout ce monde-là. Donc, Aya Tonga, les 10 fils qui sont là debout, nos enfants, petits-enfants seront libres comme ça. Même les enfants de Sassou Nguesso, ils verront les enfants de ceux qui n'ont pas été au mangeoir chez leur papa, tous ceux qui n'ont pas abusé. Vous savez qu'il y a des gens qui dorment dans les églises, dans les temples, dans les ceci, pour s'échapper à tout ce qu'ils ont fait comme une pratique antisociale et criminelle. Les pratiques ésotériques, comment on appelle ça, le mot, là, je n'arrive pas à prononcer le mot. Et bon, les pratiques de sorcellerie et de tout ça. Parce qu'ils ont vu des choses que Sassou a l'air à faire, et donc ils sont là, hein, ésotériques, ésotériques, voilà, c'est comme ça, le mot-là, vraiment, ça m'échappe tout le temps. Bon, voilà. Donc, tout ce qu'ils ont fait, Sassou, on a abusé d'eux. Donc, vous devez retenir ça, que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité, sa conscience, l'empathie et l'éthique. Et défendre aussi pour les autres. Mais là, depuis déjà le coup du temps, jusqu'à nos jours, Sassou en a abusé. Il n'était que seul, non. Ce fut grâce, ou à partir, ou avec, etc., la coopération passive de ces gens-là, indignes, qu'il en abuse. Tous ces gens-là, quand Sassou les voit, savez que le pouvoir de Sassou, tout ce qu'il fait, c'est un dû. Donc il y a une inversion de pouvoir. L'État, le souverain, ce n'est plus nous, peuple congolais et autres, c'est lui. Quand il dit, bon ben, j'étais nommé, j'étais mis général, j'étais mis officier, j'étais nommé là, c'est comme un dû. Les administrations, les institutions et tout, ça devient un dû, une dette morale. Voilà, j'étais fait ça. Écoutez, Sassou n'a pas une dette morale envers l'État congolais, non? Qui l'a formé? Qui l'a donné sur l'État congolais? Il n'a pas une dette morale. Mais lui, il ne pense plus comme ça. Lui, l'État, c'est lui. Ce qu'il fait comme il veut. Il en a abusé. Il y a des gens dans leur famille qui ont des enfants de Sassou dans leur lit et partout, partout, il en a abusé, Sassou Nguesso. Donc c'est leur monde. Il en a damé l'âme, l'esprit de ces gens-là. C'est pourquoi ce pays-là doit être exorcisé. Sassou en a abusé et avait-il le monopole de ça? Donc ces gens-là, pour régénérer leur esprit,
Peut-être nouvelle nation, ils seront obligés de s'acharner contre les enfants de Sassou et d'Nguesso au moment qu'ils auront le pouvoir, à travers les moyens administratifs, institutionnels, diplomatiques, etc., des services secrets, de tout. C'est ça le danger. Cette affaire de Sassou et d'Nguesso n'est pas encore finie. Mais, en attendant, tout ce monde-là, je le vois bas. Quand je vois tous les membres du gouvernement de Sassou là, et tous ceux qui occupent les postes et autres, les hauts postes de Sassou Nguesso, je les vois tous bas. Et ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Je veux donner une confidence. Moi, dans les années 80, quand j'étais à la fac de sciences, le petit frère de ma mère, celui qui vient après ma mère, fut un gros bonnet, un haut fonctionnaire du trésor public, puis du budget et trésor public là. Mon oncle là, le trésor public de Brazzaville là, il y avait toute la famille là-bas, il vivait là-bas. Le petit frère de ma mère, celui qui vient après ma mère. Après, quand il avait construit sa maison, voilà, le quartier nord de Brazzaville, dans l'arrondissement 6, notamment Mikalo. Mais il y avait des gros bonnets du pouvoir à l'époque, là, ils venaient comme ça. Moi, j'étais à la fac, je le voyais comment parfois leur agissement, leur niveau de réflexion et autres, moi, ça ne me disait rien. Parfois, oui, j'ai vu tout ce monde-là que vous voyez là. Les gros de bonnets de l'État qui sont là, ils connaissent. Moi, quand ils venaient, moi, je voyais les gens bien, les gens qui avaient un niveau de réflexion haute. Quand je venais, je disais le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences. C'est vrai. Mais quand je les voyais, mais parfois, ils viennent comme ça. Moi, l'oncle, peut-être, c'est pour m'honorer que, bon, ben, il y a son neveu aussi qui est vraiment, qui est à un niveau aussi. Donc, il voulait peut-être, voilà. Moi, je les voyais bas. Je voyais certaines personnes, je voyais comme ça. Moi, je le savais. J'ai eu des gardes, hein. Mais l'oncle vient après, ils sont partis. Mais comment j'invite des gens importants et tu viens, tu les regardes, tu les salues même pas, tu les vois comme si c'est des gens bas. Ben oui, moi, mais c'est toi qui les... Mao, moi, je connais ces gens, je suis informé, je suis un intellectuel. Donc, je connais que ces gens-là, ce n'est pas le poste qui fait l'individu ou les citoyens. L'habit ne fait pas le moine. Je voyais bas. Je voyais cette personne bas. Et l'oncle se fâchait. Ben oui. C'est oui, moi, c'est comme ça. Et ça n'a jamais changé. Moi, quand quelqu'un est bas, il est bas. Et ce n'est pas à mes 60 ans que je vais encore arriver au pays, que vous voyez les gens là, officiers supérieurs ou anciens ministres, anciens pouvoirs. Moi, c'est bas. Parce que vous avez eu tous les moyens, le dispositif pour dégager ce monsieur-là qui a humilié tout le monde dans ce pays. Et vous êtes là en train de se dire qui? Donc, il faut imaginer que la presse Sassou Nguesso là va se passer comme ça. Donc, il y a d'un côté ceux qui chercheront à laver le péché et tout ce qui est fait là. Est-ce qu'ils vont s'acharner? Je vous dis qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ici, on a commencé à s'attaquer aux femmes. Ici, hein, on coupait les cheveux des femmes pour régénérer une nation. Que voilà, il y a ici des femmes qui étaient parties avec les nazis et autres. Donc, ils ont fait beaucoup de choses. Je ne vous dis pas. Donc, il y a des gens qui sont sales, comme si beaucoup de gens ont été violés. Demandez une femme violée, quand tu vois son violeur, mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tous ces gens-là, ministres aujourd'hui, ils sont tous bas. Officiers supérieurs qui s'occupent des commandements, du haut commandement, de l'encadrement et tout ça, ils ont les moyens de déposer Sassou Nguesso. Ça s'est passé en Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas tous des gens qui étaient chefs d'état-major ou popes. Non, vous êtes individu, on sait bien comment structurer la structure militaire. Entre l'infanterie, le renseignement militaire, tout, on sait faire. On se regroupe, on fait ça, on va par une violence. Pendant cette violence, on doit passer par ça. Il faut monter ses forces pour déposer un despote. Et donc, vous êtes là, il a hanté des milliers, tout le monde, il est que de passage sur terre, il va partir, il va vous laisser avec tous ces contentieux historiques-là. Le Congo est une nébuleuse.
des contentieux historiques. Mais qui va régler ça? Vous imaginez, au moment qu'il faisait les coups bas et coups tordus dans les années 77, les Marie Ngouabi, en assassinant les présidents Massamba Débat, les Kaduna, Emile Biya Ndaye, les intellectuels et autres, nous étions comment? On était des enfants. Mais regardez bien, on règle ce problème jusqu'au jour. Un seul individu. Je crois qu'il y avait le monopole de ça. Non. Donc il faut en tenir de cette introduction. La liberté, la dignité et l'honneur ne s'achètent pas, elles s'arrachent. Et la liberté, la dignité et l'honneur font des individus libres et dignes et honoreux. Ça fait des peuples libres, dignes et honoreux. Demandez chez les Arabes ou les Blancs ou autres. Vous savez? Faut pas toucher à leur liberté, dignité et honneur. Il peut se suicider sur toi, il peut te tuer, il peut te faire tout. Il faut pas essayer, hein, chez les Arabes. Mais nous, on appelle au lavement des mains, à la paix, à point. Ça, c'est les peuples indignes. Quelqu'un a fait du mal à votre famille, à votre foi. Tu as le pouvoir, tu as tous les moyens pour le mettre en prison. Il n'y a pas à chercher, ce n'est même pas négociable. Si Yaya Tonga arrive, qu'après il est en vie, non, je cherche tous les moyens de foutre les gars en prison, même qu'ils crèvent là-bas. Et si on a assassiné, comme on a des informations, si passe, on y travaille, chacun travaille ses réseaux. Tu veux, ah oui, c'est toi qui as assassiné. Ben oui, il était venu dans la vie pour assassiner les siens, et il est là tranquille. Non, trouve les moyens, si tu as le pouvoir, mets les scénarios pour l'assassiner aussi. Ça doit être comme ça, action-réaction. On vous apprend à devenir des citoyens, des peuples libres. Les peuples libres n'achètent pas leur liberté et dignité et honneur. Ça s'arrache, même par la violence, même par la mort. Sassou a utilisé la violence. Il n'y connaît que ces langages-là. C'est pourquoi il est là. Sans la violence, dans ce monde de brutes, vous devenez des individus indignes, esclaves. Et du bétail humain. Donc, commençons à penser à devenir citoyens. Action, réaction. Action, réaction. On m'a fait ça à ma famille. Moi aussi, j'ai le pouvoir. Bon, ça va arriver pour nous tous. Il y a des gens qui sont là comme les lâches. Oh, tu arrives au pays, ça soit fait ça à ta famille. Alors, c'est qui? Ah, bon, ça y est. Il y a les outils, la police, la justice et les hommes de main. On le prend, ben c'était tout. On dit, bon, ben, c'est fini, papa, maman, mon frère, ou qui est tout. Bon, ben, tu arrives là, accident, ou un gars qui vient te buter. Il faut apprendre les gens à ça. Parce qu'on a trop souffert à cause de notre lâcheté, à cause de notre indignité. La peur, non! Vous croyez que nous, ici en Europe, chez les Blancs, pourquoi les Blancs ont peur des Arabes? Parce que ça rigole pas. Hein? Quand il a lancé une fois, toi, c'est fini. Hein? Il va jusqu'au bout. Donc nous devons préparer comme ça. Et ça va arriver. La presse a s'ouvre. Voilà pour l'introduction. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que nous sommes dans le bon chemin. C'est pour cela, je vous invite, vous, dignes fils de ce pays, de tenir bon et pour cause. Voici pour vous la terrible nouvelle que le despote Denis Sassou Nguesso, au crépuscule, ne souhaiterait pas qu'elle soit publique. Nako, je la publie. Et c'est pour l'intérêt général. Vous savez, le despote Denis Sassou Nguesso va être débranché. Et ça va être de l'intérieur. Et c'est une bonne nouvelle en perspective. C'est pourquoi je vous invite à tenir bon, libre, digne et courageux.
Pour ce faire, je vais vous donner trois indices. Le reste n'est qu'une affaire de stratégie, de situation, de contexte, d'opportunité et de courage. Le despote de Sassou Nguesso va tomber. Premier indice, la géopolitique. Vous le savez que Sassou a toujours divisé depuis ce pays-là en nord et sud. Le nord, c'est pour lui. Et le sud, pour ses pions, complices, victimes. Les victimes, c'est pour souder les nordistes derrière lui qui venaient coopérer activement et ou passivement à mes crimes ou à mes piliers de la conservation du pouvoir. L'idiotie, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Et beaucoup des nordistes, là, depuis le coup d'État, étaient rentrés là-bas. Soi-disant le pouvoir au nord. Pouvoir au nord. Pouvoir au nord. Au sud, on déclasse, on tue et autres. Et ces gars du nord-là, dans l'air dit aussi, quelque part, sont pris dans l'entonnoir, dans le piège. Que, ah tiens, si, et seulement si, sachant que sur par terre, les sudistes là-bas ont venu nous attaquer. Mais quand tu vois comme nous, depuis la nuit des temps, on est avec les sudistes, on fait ceci, mais attends, c'est quoi? Certains deviennent fous. Mais c'est comment? Pourquoi les sudistes ont voté mon coco? Pourquoi les sudistes ont fait. Donc, ils sont. Donc, la machine géopolitique ne marche plus. Vous savez que depuis 2001, Denis Sassou Nguesso n'a cessé de déclasser, de forcer à l'exil, d'emprisonner et d'assassiner des nordistes. La liste est longue. Parce qu'au sud, c'est spectaculaire, parce qu'on en parle beaucoup. Mais beaucoup de cas des nordistes, il les a tous éliminés pour baliser le chemin de la conservation du pouvoir de cette géopolitique nord-sud. Et en même temps qu'il neutralisait les cadres militaires, politiques et tout du nord, en même temps, il faisait monter le clan Boshi. Si bien qu'à partir de 2003 ou 4 à peu près, les Mboshi avaient déjà pris le contrôle de Denis Sassou Nguesso 3 et 4, c'est-à-dire depuis le coup d'État, entre 1997 à peu près 2003. Bon, c'était encore les Nordistes qui l'ont roulé leur famille après, ils commençaient à les déclasser, les tuer, tout, tout. Maintenant, les Mboshi commençaient à monter, 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 monter. Et là, depuis le hold-up électoral de 2016, là, il est monté dans une autre étape. Il n'est plus Mboshi, c'est un Mboshi clan. Et même la clanitisation du pouvoir. Les népotistes et tout compagnie règnent la présidocratie, comme on donne les néologistes qui sont maintenant cités. Donc on parle soi-disant du Nord contre les sudistes, puisqu'il a fait le coup d'État. Il a écarté les nordistes les plus vaillants, les plus courageux, les plus pacifiques, les plus nationalistes ou patriotes et autres. Il les a classés, déclassés ou tués. Il a piqué les moutons avec lui. Et en même temps qu'il a commencé à les écarter, qui servent toujours certains, et il a maintenant le pouvoir se trouve au niveau du clan, de la famille. Et donc le clan aujourd'hui est divisé, quelque part. Le Nord aussi est divisé pour ça. Donc on a parti soi-disant de pouvoir ou non. Mais d'autres, c'était que bon, ben, les Souba a commencé à dériver dans la dictature, soi-disant entre guillemets. Mais c'était pas ça. Donc les beaucoup se sont fait avoir. Et donc, depuis 1997, le bilan humain est catastrophique. Le bilan économique est catastrophique. Le bilan administratif et tout compagnie de l'État, c'est catastrophique. Mais en même temps, le pouvoir se concentre dans le clan. Se concentre dans le clan. Et beaucoup des nordistes aujourd'hui, au niveau intellectuel, politique et militaire,
Oh, clamboché. On dit, mais finalement, on s'est fait avoir. Oui, on s'est fait avoir. Avec l'indignité, la privation des libertés et les déshonneurs. Et on voit ce qui s'est produit. Regardez comment ça sale, les mococos et tout ça. Regardez où ils sont. On dit, tout ce qu'il a dit à éliminer. Donc, quel bilan humain, économique, politique, culturel. Donc, on ferait aller vers les coups d'État pour en arriver là. Mais c'est stupide. C'est de là. C'est quoi cette affaire-là? Et là, il s'est concerté avec ses enfants, petits-enfants. Ils vivent dans l'opulence. Et les moyens de l'État, ils ont confisqué. Donc, ils jouent à la violence. La violence devient le préalable à la conservation du pouvoir. Et au processus de transmission. Et donc, là, dans les clans, c'est comme ça. Le clan est divisé pour ça. Et dans le nord, là-bas, tout ce monde s'est dit, ah tiens, c'est pas possible. Là, je suis dans les premiers indices géopolitiques. Donc, dans le nord, là-bas, vous avez le climat de méfiance et défiance totale entre eux. Et ce n'est pas bon dans les relations, quelles qu'elles soient, sociales, politiques, militaires, toutes compagnies. Parce que dans les relations sociales, nous avons trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance, elle serre les liens. Et elle ne se déquête pas. Elle se construit au gré des épreuves. Or, dans le Nord, et dans la géopolitique nordiste, même dans la cuvette, la confiance, on n'en a plus. Donc, on est passé de la confiance à la méfiance. La méfiance desserre les liens. Donc, ça rend les relations sociales tumultueuses. C'est pas bon. Et lorsque la méfiance devient répétitive, donc on rentre dans la défiance. Le vitement, ça casse les liens, le divorce, la rupture. Et ce qui se passe là, la nuit des couteaux. Dans tous les nords là. Je dis, mais c'est quelle connerie, quelle idiotie. On serait venu se faire avoir par ça, ce monsieur et qui vit sa vie et les enfants, petits-enfants dans l'opulence. Il a déclassé tout le monde dans ce pays et nous sommes là au niveau quoi? Militaire, administratif, on est en train de le servir. Mais oui, je voulais introduire que ces gens-là, ils vont être, mais c'est quoi leurs enfants? Et à Sony. Sony, Sony, Sony. Nos enfants qui n'ont pas été là-bas, non, c'est ça, parce qu'il va arriver. Non, 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 Sony. Donc, vous imaginez. Donc, c'est ça. Le sens de l'éducation citoyenne à deux pas de la chute du plus grand dictateur criminel de tous les temps. Déjà, l'Afrique n'est jamais connue. Et vous verrez ça dans les écrits, dans l'histoire, la géographie, l'éducation, la transmission et tout ce qui vont, que les Congolais vont écrire après la chute de Sassou. Vous verrez que nous sommes en présence du plus grand dictateur criminel d'Afrique, jamais égalé. Il est France-Afrique. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, le premier indice, la géopolitique, qu'il a concentré son pouvoir dans le nord et dans la cuvette. Et là, le système est en train de se désintégrer. Le climat de méfiance et défiance entre les gens est total. C'est la nuit des couteaux. Ok? Très bien. Voilà pour le premier indice de la chute du despote qui est en marche. Le deuxième indice, c'est les rapports entre le ministre de la Défense, Charles Richard Mondiaux, et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous savez que Charles Richard Mondiaux, j'en ai appris des choses sur ses relations avec le général Jean-Michel Mokoko. Il est le pire adversaire du général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous savez, ils ont leurs histoires à raconter aussi. Vous savez, depuis le coup d'État. Charles Mondiaux l'a fait monter jusqu'à devenir ministre de la Défense. Vous savez qu'en 2012, quand il y a eu les explosions du 4 mars,
Il avait cherché à démissionner. Il avait encore le sens de la raison, de l'état, du point des choses. Mais Sassou, pour des problématiques d'appartenance, la conservation du pouvoir, chez les Mbossi, la venue des Mbossi, donc ils ont fait leur cousine là-bas. Donc il avait obtempéré aux injonctions du despote Mbossi à protéger le pouvoir Mbossi et autres. Donc jusqu'à nos jours, il n'a jamais fait. Or, Charles Mondiaux reste le ministre de la Défense le plus antisocial et criminogène au regard de tous ces crimes de Sassou qui se sont passés depuis 2012, en passant par 2015, on a assassiné plein de jeunes depuis le coup d'État constitutionnel. Vous le savez, il y a eu beaucoup de jeunes assassinés. Ici, on tue un seul noir par un blanc, par l'injustice. Tous les quartiers ou toutes les cités de France sont affaires à ça. Mais là, ils ont tué 200 jeunes en 2015, rien. 2016, emprisonnement du général Jean-Marie Michel Makoko. Paraît-on que pour lui, c'est tout bénef, quoi. En plus, on va faire le terrorisme d'État dans le pouls. 300 villages à feu et à sang. On est bien là? Bien d'accord. On coupe les arbres fruitiers. 180 000 déplacés, chiffre des Nations Unies. Etc., etc. 2021, pareil. Et tout ce qui s'est passé là. Chaconna, Ornano, il est là. Donc, il serait parti là-bas. En fait, Denis Sassou Nguesso compte sur lui. Il a tenté de vider toute son énergie. Donc, Mondiaux, c'est quelqu'un un peu paradoxal. Bon, il n'est pas de l'école française. Hein. Il n'a pas fait Saint-Cyr, ni point pour point. Il était parti en URSS, l'ERS. Donc, c'est l'homme de l'ordre mondial actuel, c'est-à-dire le Sud global et autres. Mais quelqu'un, c'est quelqu'un qui, au niveau de la France-Afrique, ben, il n'est pas quelqu'un qui, bon, vous savez, en fait, serait un patriote, mais qui, à force des choses, du contexte et autres, leurs problématiques avec Moukoko, là, sont en train de déclasser sur aux officiers. Je dis qu'il a des qualités, ça c'est sûr, ça c'est vrai. Il ne faut pas nier les. Moi, tout ce qui est bon intellectuel, cadre et autres, si c'est bon, c'est bon. Mais je ne veux pas être bon, mais il faut avoir le sens de la morale, de l'éthique, de la raison, des points de vue qu'il n'a pas. Il a préféré privilégier le clan, le respect de les règles du Moshi pour les comptes de Sassou Nguesso qui est venu sur Terre. Ou envoyé par la France-Afrique pour nous piétiner, fracasser notre pays. Il aurait déjà pris ses responsabilités. Il a en guerre contre Général Moukoko. C'est la raison pour laquelle vous avez eu le coup bas et coup tordu de Ornano, où un général Makwa venait d'être viré par lui. Parce que tout ce qui est Moukoko, il est en état d'alerte. Mondiaux. Donc, les Makwa, qui est rentré dans une conscience réfractaire envers les Makwa, je ne sais pas comment. Donc, tout par association, vous imaginez. Et il y a des informations que je ne vais pas vous dire, donnent des indices qu'il est anti-Mokoko et qui, par translation, il devient anti-Makwa. On est d'accord? Ce sont des réseaux qui nous informent. Donc, on ne va pas aller au-delà. Donc, au niveau militaire, déjà, le dérèglement politique et militaire dans la cuvette est déjà là. Le dérèglement politique et militaire dans la cuvette est déjà là. Vous savez que dans la conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso dans le nord et surtout dans la cuvette, il y a trois tribus clés. La première tribu, c'est sa tribu, Mboshi. On est bien d'accord? La deuxième tribu, c'est la tribu des
les Kuyu, et puis les Makua. Vous êtes d'accord? Mais or, regarde, quand on sait historique, dans le nord et dans le sud, mais où va-t-il tenir encore son pouvoir là, si là, c'est les dispositifs de pouvoir déjà dans le Makua et les Kuyu, parce que les Makua et les Kuyu, historiquement, sont toujours soudés. Hein. Makua, Kuyu ont été toujours soudés. Mais là, où Mondio va-t-il, coup d'état de palais, ou tout ce qu'il prévoit avec les gens de Bukemba, et autres pour leur coup d'état de palais, ils vont aller comment? Donc, vous imaginez, il a dit à cette loi de karma de 2012 à nos jours, où on en a massacré dans le sud, avec les familles terroristes d'État, et tout ce qui s'est passé dans le nord, avec Chacona, Ornano, etc. Vous imaginez, c'est quoi? C'est genre, quand on va mettre au pouvoir les gens comme ça, c'est quoi cette affaire? Donc, ce sont des indices qui vous montrent que dans le nord, les Mondio, qui? Je vous ai dit que tout ce monde-là, on part bien, on rentre dans le pouvoir de Sassou, on devient sale. Tous sont salis. Sassou les vide de toute leur énergie, de toute leur dignité. Mais n'y prennent pas la conscience de ça parce que l'émotion, l'appartenance au-dessus de l'intérêt général, ils voient bien ce que ça produit. Charles Mondjo est en guerre contre Mokoko. Et par translation, tous les Makua, donc tous les cadres militaires Makua, ils sont là, ils les suivaient quand on suivait les laisse le feu. Bon, maintenant c'est à lui de voir, est-ce qu'il va exclure des armées les 100 officiers supérieurs Makua? Depuis l'armée des terres, l'armée de l'air, la marine, les renseignements militaires, et tout, 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 il va l'exclure. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va exclure les plus de 100 officiers supérieurs Makua? Et le bruit qui circule, comme la circulation générale, hein, la respiration. Vous savez la respiration là? Il y a deux éléments. Pour respirer là, il y a les glucides qui nous apportent le carbone et l'oxygène qui passe là. Les glucides là, vous les connaissez, le manioc, le riz et autres. Dès que ça rentre la bouche, l'estomac, l'intestin grêle, absorption intestinale, la veine porte hépatique, ça va au foie, tout ce qui est métabolisé dans le foie et la veine sous-hépatique, circulation générale, ça va au niveau des cellules, qu'elles soient nerveuses, musculaires et autres. Ils vont attendre le deuxième élément qui viendra pour le métabolisme, qu'on appelle le métabolisme énergétique. Donc on attend l'oxygène qui fait partie de l'air que nous respirons. Donc l'oxygène, le 21% d'oxygène qui est dans l'air, rentre par les nez. Ça passe dans la trachée, ça va au poumon, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires au niveau des échanges gazeux respiratoires et ça rentre dans la circulation générale et ça va jusqu'au niveau des cellules, aller faire ce qu'on appelle le cycle de Krebs, le métabolisme énergétique. Et ça vous produit quoi? L'énergie qui vous donne la forme et les gaz carboniques rejetés plus l'eau, la vapeur d'eau. Et le gaz carbonique là revient par différents canaux, les veines, par exemple, nous on connaît la veine jugulaire, etc., etc. Voilà pour un petit traité de respiration. Donc on sait bien comment le régime l'a respiré. On sait bien comment tout ce monde l'a respiré. Donc nous on le sait déjà comment fonctionnent les dispositifs militaires du pays. Comment fonctionne c'est ça. Donc le mal est fait dans le nord et à tous ces niveaux. Donc ils n'ont plus d'oxygène, ils n'ont plus de beaucoup de choses comme ça. Donc ça va là dans ce processus-là. Parce qu'ils ont tout chamboulé. Pour l'avenir d'Mbochi. Pour un être mortel, Denis Sassou Nguesso, qui a utilisé tout ce monde-là. Et qui en a préparé des méchants dans ce pays. Ils sont sur différents niveaux. Je vous l'ai dit qu'au départ, il en a abusé tout ce monde-là. Mais demain, chacun cherchera à laver cet honneur. Comment on appelle? À retrouver l'honneur et tout compagnie entre eux, une à eux.
Donc, il faut se dire que au niveau de ce petit traité de biochimie ou de physiologie respiratoire, hein, et donc, vous voyez qu'ils n'ont plus d'oxygène. L'oxygène là, qui pour qu'il y ait la combustion, le glucose là, qui va se combiner avec l'oxygène pour produire des molécules d'eau et de l'énergie et du gaz carbonique. Et ça, il y a plus de l'oxygène qui est en train d'être coupé. L'oxygène du pouvoir au nord, dans la cuvette, il est en train d'être coupé. Tout le monde est aux aguets. C'est la nuit des couteaux. Il manque les détonateurs. Il ne va plus aller loin. Vous avez tout compris? Très bien. Voilà pour le premier indice et le deuxième indice. Maintenant, le troisième indice et le dernier, c'est la suspension d'un officier Makua. Alors que dans la chaîne des responsabilités, on devait déjà inquiéter le ministre de la Défense, les chefs d'état-major des armées pour qu'on va chercher là-bas. On a tout dit. Il s'agit du coup bas et coup tordu contre les Makua. Parce qu'il y a Moukoko là, Mondio, revient toujours là. Donc ils ont décidé. Donc vous voyez que là-bas, soi-disant, le Nord, le pouvoir dans le Nord, aux mains de la cuvette, donc c'est pas ça. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Un bosseur, travailleur, minutieux et autres pourront les enlever parce que eux, ils ont fait leur coup bas de sacrifices humains. Ils montent des complots pour évincer. Comment aller monter des complots où il y a la mort des enfants? S'il faut être vraiment fou. Tout ce qui est arrivé des drames dans ce pays, c'est toujours des complots derrière. On fait tuer les gens, on sacrifie les gens derrière les complots. Vous imaginez? Donc cette affaire d'Ornano est à la fois Lucifer, c'est-à-dire des sacrifices humains entre eux, mais également des règlements de compte, histoire de pouvoir. Qu'attention, peut-être les Makua, les gars là, laisser la ZAB, la zone autonome de Brazzaville à un Makua, c'est dangereux. Ils sont trop travailleurs, ils sont minutieux, ils sont stratégiques. C'est craint les Makua depuis Youlou, Marengouabi, Massamba, ils connaissent toute la vallée de Makua. Et donc, ils savent très bien. Mais, coupons un officier, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Un officier, on le fabrique en 3 mois, en 3 ans. Il n'y a pas de problème. Il y a du volume. Ça veut qu'en population, dans la cuvette, les plus peuplés dans la cuvette, c'est les Makua. Au niveau aussi cadre et tout compagnie, on est nombreux. Ils peuvent changer, ils ne vont pas aller loin. Tous les dispositifs du pays dans le nord, dans la partie nord, les nordistes là, ce sont les Makua. Bon, administratif et tout compagnie, on le sait. Après, les Kouyou, c'est cela. Mais il a humilié aussi les Kouyou. Mais il reste Mboshi n'ont fourni aucun effort pour redresser ce pays-là. Ils n'ont que détruit. Mais là, il faut le dire la vérité. Donc, le troisième indice là, ce qui vient de faire là est vincer un général nordiste qui, sous prétexte qu'il serait en lien avec Jean-Marie Michel Moukoko, en même temps, sacrifiant toujours les sudistes, vous avez des officiers sudistes aussi sacrifiés, parce que eux, bon ben, c'est des fusibles, hein, à tous, ils ne comptent pas hein, pour eux. Les sudistes, pour eux, c'est des cafards. On veut monter une opération coup à coup tordu, on va trouver un sudiste pour faire le sale boulot, c'est ça. Mais après, Sassou Nguesso, combien d'autres? C'est ça les dangers. Donc voilà pour les trois indices, et que vous devez en tenir compte que. Nous sommes là en train de vivre une situation que depuis 1998, c'est-à-dire depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, les Mbochi n'ont jamais été responsables ni coupables de tout ce qu'ils ont fait. L'idiotie, la médiocrité, la vente à la découpe de notre pays aux étrangers,
Et tout ce qui est là, comme dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête, qui en est responsable. Les poissons pourris toujours par la tête. Là, la chaîne des responsabilités, rien. Ce ne sont que les autres tribus. Vous le savez très bien que l'assise géopolitique et militaire du régime de Sassou Nguesso n'étenait que sur trois tribus, je vous l'ai dit. Les Mbochis, c'est 20% de tous les dispositifs des cadres civils et militaires dans la cuvette. 20%. 30%, ce sont des Kouyous. Et 35%, ce sont les Maquas. Mais au niveau des cadres civils autres, c'est les Maquas qui battent les records. Partout dans le monde, ce qu'on trouve que Maquas. Arrive les Kouyous et les Mbochis après. Donc, il ne peut pas faire quelque chose. Il joue dangereux. Le reste des dispositifs, on parle des Tekalima, des Likouba, des Moussaka, les Moy de Makotipogo, premier milieu, voilà. Donc, ce n'est pas de la cuvette. Donc, sous les points dispositifs, n'ont pas de marge de manœuvre. Malgré qu'ils ont formé ces dernières années plein de leurs trucs, des pacotilles, quelque part, parce qu'ils n'ont pas avancé le pays. Ils l'ont détruit. Ils n'ont pas de repères, ni de crédibilité et autres, sinon le pays ne serait pas dans les conditions qu'on voit. Donc ils ne savent pas diriger. Ils ne savent que comploter, conserver le pouvoir. Comme les premiers anthropologues écrivaient dans les années 60 que les Mbochis vont être le problème de l'unité nationale. Et c'est vérifié. Même l'adjoint de Brazza et de Montponnel écrivèrent déjà sur les Mbochis dans les années 1885, sur le bord de la Lima, à Pombo et autres. Vous imaginez? Donc ça n'a pas changé. Donc c'est eux qui mettent en danger l'unité nationale. Ils cherchent les poux et autres. Non. Je vous informe que, au niveau des dispositifs de la conservation du pouvoir dans le clan, il est maintenant sujet. Sassou a eu tout le temps de fabriquer ce qu'il a fait. On est bien d'accord? Très bien. Mais là, dans le clan, regardez ces données statistiques, la répartition géographique des cadres militaires intellectuels, au regard de la mauvaise image des Mbochis. Qu'est-ce qu'ils vont faire, coup d'État de palais ou autre? Ils vont aller comment? Ils vont utiliser que la violence, et la violence va amener que la violence. Et vous avez dit des cascades de coups d'État. Qui dans ce pays, depuis l'Ikuala et les plateaux, qui, pendant le coup d'État, Sassou avait peur des Kouyou et Maquas. Il avait utilisé les Teke et les Oubangiens pour monter son coup d'État. Mais depuis, qui reste encore de la Likouala et des plateaux dans ce pouvoir-là, en dehors de Florent Thiba et de Orine Diombo. Il n'y a pas grand-chose. Mais il y a plutôt, au niveau militaire, au niveau administratif et tout compagnie. C'est ça, être con. C'est ça. Donc il faut prendre ça. Il faut reconnaître que depuis 1977, jusqu'à nos jours, tout le monde se fait avoir dans le Nord. Et tout le monde en parle. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Donc les nouvelles, là, ne sont pas bonnes pour Sassou Nguesso. Parce qu'il dit, on connaît bien sa cuisine. On connaît bien ce qu'il fait. Et les Maquas, les Kouyous, les Nordistes, la cuvette s'éveillent. On serait venu sur Terre servir un Boya Mindele, comme les Sassou Nguesso, les Néron Tropical, ces individus-là que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours servis du mal, du crime et autres. On serait venu là servir l'ogre des bords de la Lima qui n'a laissé sur les routes du Congo qu'il y ait des cadavres de tout âge, qui a tué deux présidents. Qu'il faut le faire. Chercher dans toute l'humanité un despote qui tue deux présidents.
En l'espace d'une semaine, le président Marie Ngouabi, le président Massamba Déba et un curé, le cardinal Emi Bienda, ils massacrent plein de cadres intellectuels et militaires, majoritairement du Sud. Il revient au coup d'État par les armes. Et là, depuis, il a roulé les nordistes là, dans la farine. Il arrive dans la cuvette, il les a roulés. Maintenant, il est sorti au Touareg avec son clan, Mboshi, qui prend de l'eau. Parce que Mboshi aussi est au père. Parce que qu'une fois Sassou passé, parti. Mais les premiers qui vont trahir Mboshi, ou les traquer, ou autres qui vont le savoir les choses par rapport au passif de ce qui s'est passé à Mokoko chez les Makwa, ou Yobi Opango, Marie Ngouabi et tout ce monde, c'est les Kouyou, que Sassou n'a cessé d'humilier les Kouyou. Jamais vu. Où est-ce que ça va rester éternellement comme ça? Le bateau prend de l'eau. C'est un système qui fut organisé, structuré et managé depuis la pyramide de la France-Afrique. Mais Sassou n'était que là avec nous, en jouant sa petite cuisine. Mais ce système-là prend de l'eau. La désintégration vient de l'intérieur, dans le trois piliers. Makwa Kouyou Mboshi. Ça se passe là. Et les autres en observation. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui va se passer. Ben oui. Vous serez venu là comme les pouvoirs, c'est comme un dû. L'État comme un dû. On vous a nommé. Sassou vous a nommé là, non? Est-ce que l'État, c'est Sassou? Sassou vous a donné ça. Sassou, est-ce que Sassou qui était qui, Sassou? Vous imaginez la colère des uns des autres? Vous utilisez les moyens de tous. Vous dites maintenant là, c'est voilà, c'est comme un dû. C'est pas à lui, c'est le bien commun. C'est pas à lui. S'il vous nomme à un poste de responsabilité, c'est tout à fait logique. Et citoyen, et tout ce qu'on peut dire pour un État, État doit fonctionner. Je vous l'ai dit, un prof qui donne une note de 18 sur 20 à un élève, ce n'est pas indu. L'élève l'a mérité parce que ça fait partie des règles de l'enseignement, de l'éducation. Il a mérité. Vous allez dire, parce que j'étais donné 18 sur 20. Mais c'est quoi cette affaire-là? Parce que j'étais nommé là. Et c'est indu. Mais après, ça se question. Donc, comment on fait quoi? Il n'y aura plus personne qui va être nommé officier ou général ou autre. Je parle d'un proviseur là à Nyanga. Madame là, ce que vous faites là, Nyanga là, hein? Madame là, comment je ne connais pas son nom. Vous serez traqué, hein? Parce que ce que vous avez fait là, l'éducation est par terre. Les élèves protestent parce qu'il n'y a plus de professeurs de lycée au Congo. Ils ont tout détruit, l'éducation. Maintenant, les élèves vont faire ce mot comment? Il n'y a pas de prof. Au Congo, il n'y a plus. Ils ont tout détruit. Et les élèves demandent que et nous, on n'a plus de prof. Et la femme, la proviseure là, demande, prend. Va prendre ces enfants-là, il va l'envoyer à Dolisie pour aller les emprisonner. Vous imaginez cette femme-là, ce sont des femmes qui vont passer, dès que ça se tombe, c'est pas mais aller passer 7, 10 ans dans les jeunes. Hein. Ça, c'est sûr et certain, c'est pas ça. Il faut signaler à ton ministre de l'Éducation nationale, ou point. Pourquoi aller emprisonner les élèves? C'est pas bien ça. Ce soit tout détruit, et voilà. Les élèves qui sont là, vous imaginez. Et ça, c'est sous l'ensemble du territoire national. Mais pour nous, sur fond d'appartenance, on dit, bon, ben, on fait qu'au sud, on fait que... Non, c'est tous les pays comme ça. Nous, on voit les pays comme un tableau de bord. Sassou a fait ce qu'il voulait dans tous les pays. Donc, il faut comprendre ça. Donc, je voulais vous dire seulement ceci, que... ce qui va se passer... vous aviez quatre mauvaises nouvelles pour les régimes qui va se passer. Non, je dirais 10. Bon, donne 10. Je vais donner 10 mauvaises nouvelles. Terrible qui va arriver là d'ici peu. Il faut lui dire que nous sommes dans le point de vue intellectuel. Donc on nourrit les débats. C'est-à-dire que bon, ben, ça se va tomber le 31 décembre à telle heure. Non, c'est pas ça. On donne les indices. Que tiens, quand il y a un bateau qui prend de l'eau, on voit qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas, c'est pas arrivé comme ça. Donc il y a quelque chose qui s'est passé déjà. Quand une maison s'écroule, donc c'est un processus. Les murs et tout compagnie, ou tout ce qui s'écroule. Donc on nous donne
les outils, les indices de ça. Chacun doit réfléchir. Nous, l'idée qui est de citer tous les cadres militaires congolais du nord, du sud et de l'est à l'ouest, s'affranchir d'eux et prendre notre responsabilité. Le fruit est mûr. Il va tomber, reste que le vent. Ok, très bien. Donc, le premier, les mauvaises nouvelles qui sont là des Sassou, que vous devez en tenir compte. La première mauvaise nouvelle, c'est le dérèglement politique et militaire dans les nord et de la Kivette qui prend de l'ampleur. Et donc, ce qui est passé du général Gaëtan Ike, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est l'arbre qui cachait la forêt. Donc, c'est ça. Je vous dis, Denis Kissé Sassou Nguesso m'a dit qu'il n'y aura pas de cadre au haut niveau. Au niveau, c'est-à-dire chef d'état-major ou ministre de la Défense ou il a expliqué ça. Très bien, c'est fait. Jean-Jacques Bouillot aussi, il avait dit que dans ce pays, tout est encadré par nous. Donc, quelqu'un ne peut rien faire ici sans nous. Bon, donc ça, c'est bien, on le sait. Donc, maintenant, là, on sait bien que le dérèglement politique et militaire dans le nord et de la Kivette prend de l'ampleur. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. C'est un processus. Au moment de les déposer, mais s'il ne faut pas attention de les déposer pour qu'ils ne payent pas, pour qu'ils payent sa rançon de la gloire, l'humiliation et ou de ses crimes, s'il ne faut pas ça, c'est un processus qui va être long pour ces gens-là. Comme je voulais parler en introduction. Donc le dérèglement politique et militaire dans le Nord est déjà là et dans la Kivette. Deux, Charles Richard Mondio, Jean Dominique Okemba, Ndenge, on sait maintenant leur coup. C'est déjà grillé. Donc ils sont là, surveillés-là comme les laits sur le feu. Jean Dominique Okemba, Charles Richard Mondio et Ndenge. Donc on connaît bien leurs agissements, leurs coups. Ils ont voulu incorporer un peu Serge Oboa, mais entre eux aussi, voilà. Donc vous imaginez, Serge Oboa, tu n'as pas tué, hein? Donc il faut vraiment faire attention, tu as encore la chance, hein? Mais les Okemba, les mon Dieu Dengue là, hein, avec ce qui s'est passé là, je dis pas, hein, que ça soit au nord ou au sud, le contexte est autre, quand ça a changé, hein. Ah oui, ça va vite, hein. Bon, troisièmement, c'est la France-Afrique. La France-Afrique doute grave de ce clan-là, d'où le statu quo. Doute grave. Donc, vous avez la situation historique de 1997 à nos jours. Les contentieux ne sont pas encore réglés. Vous avez les dérèglements politiques et militaires dans le nord de la Cuvette. Vous avez les contentieux historiques dans le sud. Vous avez la situation du pays hôte, la France-Afrique et aux abois là. Ils savent bien que non. Le clan là, ils vont plus loin. Et là, ils sont en train de se démasquer. Ils sont grillés grave. On peut faire cette. La France-Afrique peut perdre le coup du Tchad et du Gabon, ça va pas aller loin comme les dérèglements politiques dans militaires dans le nord, dans la Cuvette, et les contentieux et tout ce qui va passer, va commencer comment? Il faut qu'ils trahissent les clans. Pour ces affaires-là, des crimes économiques, des crimes de sang et autres, il va faire la diversion de Lingengema qui lui aussi est déjà en situation difficile. Hein. Donc ça risque de chambouler au Gabon. Hein. Mais nous, c'est pire parce qu'il y a trop de contentieux. Je vous l'ai dit. Donc les gens, on en a marre d'embaucher. Il faut le dire la vérité. Donc, il faut faire quand même Bossi qui est encore là, que moi, il sera obligé d'abord de commencer à foutre tous ces gens-là en prison tout de suite. Et traquer, prendre les mesures, confiscation, tout ce qu'il va. Il va faire comment? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Et donc là, poum! Donc, ils sont. Vous avez tout compris. Donc, la France-Afrique doute de ce clan-là. D'où les statu quo, les maintiens des Sassou Nguesso, mais c'est ça qui a augmenté l'énergie de anti-France Afrique, eux, anti ce clan-là, au regard du contexte géopolitique anti-force afrique à l'échelle continentale. Donc il faut en tenir compte de ça. Quatrièmement, vous savez que la coupe est pleine. Ben oui. Méfiez-vous des eaux dormantes. Elles sont pleines des francs-tireurs. Donc aujourd'hui c'est le calme plat, mais c'est la nuit des couteaux. Chacun sait là que c'est possible. Du nord au sud et l'est à l'ouest, au niveau militaire. Si on fait l'action, on a là la volonté du peuple, on aura tout le monde, sauf les Mbochis. Les Mbochis seront par de gré ou de force de rejoindre la dynamique. Donc, ils ne veulent pas le faire comme ça. Ils ne vont pas le faire. Parce que, et ça, c'est fini pour eux. Mais s'ils veulent rejoindre le peuple, ah oui. Cinquième mauvaise nouvelle à donner
pour vous, pour les Sassou-Nguesso, c'est le contexte France-Afrique. Je répète, il est problématique à l'échelle continentale. La France a douté, on a tout perdu. Vous voyez ce qui se passe au Sahel et tout ce qui se dessine là. Sassou n'était que grâce ou à cause, ou voilà, à part, grâce à la France-Afrique. Je lui dis qu'elle doute des Sassou-Nguesso. Ne méfiez-vous des apparences. Il y a des stratégies en cours. Je ne veux pas vous donner les stratégies de la France-Afrique qui se passent. Mais nous sommes les indicateurs de la France-Afrique. Ils savent bien que ce que Aya Tonga, qui est du nord, de la cuvette, un cerveau et autres, ils savent bien qu'ils parlent. Ils savent que derrière Aya Tonga, qui est. Donc il faut savoir ça. Donc ils savent, ils nous écoutent. Donc le clan là, Mboshi là, de Sassou, de tout ce monde là, c'est grillé. Mais si on va dans les tours de créer des tensions, c'est les Mboshi qui vont perdre. À coup sûr. Regardez ce qui précède. Sixièmement, je voulais parler des rapports de force Occident-Sud-Global qui vont chambouler tout ce qui se dessine. Parce qu'on en a marre de la France-Afrique qui est le mouton noir déjà de l'Occident. Et l'Occident même est en train de se chasser par-ci par-là. Et donc il y a des chamboulements en cours. Donc il faut voir que tous ces champs, tous ces chamboules, Sassou était le pilier de la France-Afrique pour nous piétiner et nous fracasser par translation de l'Occident, l'ordre occidental, qui aujourd'hui est vraiment, vous savez ça. Donc tout est dans un ensemble comme un organisme. Le fonctionnement d'un corps. Quand je regarde un corps, je vois tout l'ensemble des dispositifs. C'est ce qu'on appelle un physiologiste. Ceux qui connaissent bien comment fonctionne notre corps, ce sont des physiologistes. J'ai une licence aussi, biologiste, biologie, option physiologie. Donc on voit le corps là comme un tout. Comme les naturalistes, comme j'ai eu aussi une maîtrise de sciences naturelles. On voit l'écosystème comme un tout. Vous voyez déjà ça. Donc il faut voir ça, ces rapports de force-là qui se dessinent là comme un tout, qui va chambouler la chute de Sassou. Et les gars de la France affilent la joue mal, mais ils vont pas aller loin, parce que le mal est fait. Donc, patience et liberté, dignité, courage et solidarité entre nous. On doit continuer comme ça. Septièmement, ce sont les perspectives des présidentielles en RDC. Et qui risque d'être problématique. Mais il faut savoir que ce qui va se passer en RDC ne va nullement bénéficier à nous. Même si ça change de régime-là, ce sera pareil. Donc notre liberté, dignité, notre souveraineté, ou dégager ça, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas la RDC qui viendra faire comme en 1997 où la France-Afrique avait suturé les pays périphériques, dont la RDC, le Rwanda, l'Angola, le Gabon et le Tchad pour vous venir nous fracasser. Mais il faut que ce soit les Blancs qui les suturent pour voilà. Mais si les Blancs suturent quelque chose depuis la RDC pour venir fracasser Sassou Nguesso, bon, tant mieux, c'est pour eux. Mais il faut savoir que l'œuvre contre les brisés de l'extérieur, la vie s'arrête. On a vu en 1997. Mais par contre, l'œuvre contre les brisés de l'intérieur, les bonnes choses arrivent. La vie commence. Ça commence contre l'intérieur. Donc, Sassou doit être dégagé par nous-mêmes. On est bien d'accord? Très bien. Et ces gens-là viendront voir. En fonction des stratégies, nous avons trop de stratèges. Par la suite, on a trop de stratèges. Parce que notre pays, axé sur la mer, même si il y a des dégazages des bateaux sauvages qui viennent polluer les côtes du Congo, sans que les ministres de l'Environnement, les ministres de ça, voilà comment le pays est foutu. On exploite notre pétrole à gogo sans rien dire. En plus, on veut faire les dégazages à Pointe-Noire, polluer nos pères. Donc on est là compris comme dans une machine à laver et on n'est plus rien. Et on y nie. Donc, vous voyez déjà ça. C'est méchant. Donc, les perspectives de la RDC et de tout ça, il faut regarder qu'avec stratégie. Mais, quoique, il y a des problèmes de tribus, les Congo, les autres peuples, on va aider les Congo de l'autre du Congo, vous savez, ou les Tékés, de, voilà, ou les gars. Voilà, on peut faire ça, mais je ne sais pas. Mais, au vu de la situation, les présidentiels de 2023 qui reste des problématiques, ça peut être profitable pour nous au cas où il y a chaos. Il y a chaos, c'est bon, on rentre là-dedans. On appelle toutes les tribus du Congo contre les Boshi et on prend le pouvoir. On reprend le tout. Mais s'il n'y a pas de chaos, les présidentielles là-bas, ça ne va pas nous arranger. Donc il faut savoir. Mais mettez toujours dans les familles, dans les réseaux, parlez que depuis Bétou jusqu'à Ovili, Mondjombo là-bas, Bétou, ce sont les Mondjombo.
Et Fondo, ce sont les Bondjo. Et Pena, ce sont les Bomitaba. En passant par la Sanga, la Cuvette, les Plateaux, le Poule, Malébo, la Bouenza. Salut, Momo. Ouais. La Likoumou, le Niari et le Kwilu. Donc nous devons être là, unifier tout ce monde-là et rester aux aguets. C'est maintenant tout le monde en ensemble. Il n'y a plus à rien à se diviser. Non. On est ensemble pour dégager d'abord ça. Et après, on réglera les choses après. Ok? Très bien. Et bon, 8. Bon, il faut se dire qu'il y a l'énergie politique et militaire qui nourrissait le régime depuis. Bon, ben, il est en train de. C'est parce que l'énergie des archivettes, où ils sont en train de se diviser. C'est là. On va faire comment? Tu crois qu'on fait un mouvement là, les militaires du Sud vont être là, qu'on va aider les Mbouchi des Sassou? Que les Makwa viennent là, que voilà. Vous savez que Sassou, on a assassiné les 4 Makwa, hein? Hein? Ou emprisonné. Avoukou, c'est un 4 Makwa. Comment il l'a tué? Moukoukou, c'est un 4 Makwa. Comment il l'a emprisonné? Le général Ikié, regarde comment ils l'ont évincé. Il y en a plein. Vous parlez quoi encore? Les Makwa font partie des top 10 des tribus humiliées ou souillées par Sassou Nguesso. Ceux qui ont, là où il a plus souillé, top 1, ce sont les Lari. Vous voyez comment il a fait aux Lari, les crimes, les donnant. Au top 2, ce sont les Kouyou. Les Kouyou de Marangwa Yombio Pangula. Il en a abusé d'eux. Au top 3, ce sont les Vili. Avec le pétrole, avec tout ce qu'ils ont fait. Vous aimez, on peut continuer. Les Makwa sont dans les top 10 là. Donc vous voyez comment les gars finissent à abuser de tout le monde dans ce pays. Et vous êtes là en train de regarder demain, un tordu sort comme ça, parce qu'il va chercher à laver ce que. Ah tiens, il a fait ça, pourquoi pas moi? C'est ça les dangers. 9. On est bien point, bon, ben, il faut se dire que bon, ben, nous, peuple congolais, on a notre destin. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Peut-être que nous avions un Assimi Goïta et Abderrahmane Tchani, Ibrahim Traoré, Thomas Sankara, ou Mandela, ou tout dans le pays qui sont là. Donc c'est à eux que je m'adresse, du nord au sud-est. Ça va, c'est pas ça le nouveau militaire. Il n'y a plus de nord-sud-est. Groupez-vous avec les mêmes. Et ils sont du courage. Il n'y a plus rien à faire. Vous laissez Sassou partir, il va partir. À toute histoire, il a 83 ans. Il masse comme un canard. Là, il n'y a plus rien. Il a passé sa vie à tuer. Et on va les laisser partir. Au fond, il faut même l'attraper. L'attraper là, attends, c'est pas possible. Et vous allez laisser comment cette énergie va s'acharner quand on aura le mal d'État, s'acharner sur les enfants, petits-enfants de Sassou. C'est ça qui est malheureux. Et même, ils vont en pleurer, ils vont pleurer, parce qu'en fait, pas de chance, mais c'est vous. Voilà, vous avez en profité. On est bien d'accord. Le monde est méchant, hein? Le monde est méchant. Ah ben oui, hein? Le monde est méchant, hein? Il y a des méchants dans ce pays, hein? Qui vous attend, mon venir. Hein? Enfin, 10. Bon, il faut dire qu'au niveau continental, il y a une dynamique panafricanisme pour qu'on ne soit pas ce qu'on a subi. Imaginez nos peuples congolais depuis le coup d'État, ce qu'on a subi, mon Dieu. Avec ce monsieur-là, la force d'Afrique, et qui cherche un remplaçant. Et on dit lance des fois, toi, quand ça se que les talibans et talibis sautaient. Mais nous, on est là, on lutte, libre, digne et autres. Solidaire, likez, partagez, soutenez la résistance, Tokolonga. Bon vent au peuple congolais. Voilà pour la nouvelle, la terrible nouvelle que chacun doit réfléchir avec ses données. Donc, il peut faire un résumé de ça et voir les grandes lignes des stratégies. Donc, vous avez tout sur un plateau d'argent, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde est servi comme citoyen. Que voilà la situation. Et à chacun de prendre les ressources avec les alliances, les jeux de stratégie haute. Et je peux entendre là, ah tiens. Qu'il y a 5 officiers nordistes, 5 officiers sudistes embauchés qui ont déposé Sassou Nguesso. On va dire, où? Il y a les officiers du Congo, même embauchés, qui ont déposé Sassou Nguesso avec les autres Congolais. On dit, bravo les embauchés. Encore là, vous avez trouvé là les mesures compensatoires pour le futur. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Que l'image d'embauchés est déjà souillée pour tout ce 21e siècle. Et si vous ne pensez pas maintenant et prendre cette responsabilité historique
de les déposer et libérer les prisonniers politiques et donner ce pouvoir-là au souverain peuple congolais pour travailler une transition consensuelle entre nordistes, sudistes et même les Mbochi, et faire quelque chose de nouveau et entre les générations qui pensent à l'intérêt général, à la dignité du peuple noir, du peuple africain et autres. Si vous ne pensez pas ça, tant pis. C'est la faute n'a pas de chance. L'histoire nous en dira plus. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, bon vent au peuple congolais. Merci.